Donc, comment on peut dire que c'est vraiment pas les. Donc, ok, je dis souvent que Haïti pas péri. Donc, ça sont pareil que ma tête des adèles souvent dans la tête. Moi. Mais, en réalité, de jour en jour, moi, ça a fini plus mal. De jour en jour, moi, ça a fini plus mal. Donc, tant que le pays a progressé, il a progressé. Dans mes connaissances, même si j'en entends longtemps, nous avons promis pour le système esclavagiste là, côté que la France a dominé nous. Mais je ne dis pas, on dirait que la bataille n'a pas fait ensemble avec propre tête nous. Côté que il y a des séries de politiciens qui ne peuvent pas pour l'intérêt collectif là, qui ne peuvent pas promis pour le pays, mais qui ne peuvent pas promis pour le peuple là. Dans mes connaissances, qui j'en nous capable faire, avec qui processus nous capable entamer pour nous capable changer un pays. Ou bien pour ne pas quitter Haïti péri, si ce n'est pas l'homme qu'il faut à la place qu'il faut qui a dominé Haïti. Merci. Bonjour à tous. Je suis Jovna Joseph, élève du lycée Benoît Batraville, et je suis fière d'être avec vous ce matin. En fait, ma fait suite avec sa demoiselle lundi. Hein? Et comment, puisque nous dit comme ça, monsieur a dit, jeune, à partir de 18 ans, il n'est pas facile pour mettre en tête pouvoir. Donc, puisque jeune, il n'est pas capable de diriger, pour qui ça, ancien et tout, ce n'est pas eux-mêmes qui n'ont causé militaire, bataille, tant qu'on va y voyer, si mon 18 ans, à partir de 18 ans, ou qu'à rentrer dans l'armée. Pour qui ça, ce n'est pas grand monde qui continue avec l'armée pour qu'à sauver des gens. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Pardonnez le nom. Bonjour. Bonjour. Ok. Nous sommes le lecteur de l'E, élève du lycée national de Pétionville. Moi, je suis NS4. Et question que j'ai pour conférencier aujourd'hui, hein, c'est comme moi, je n'ai pas tellement basé sur ça, pas attendre le tout. Et qui plus gros héritage? D'après nous-mêmes, bataille de 21, qui était pour Haïti et pour le monde. Merci. Qui plus gros héritage, bataille de 21, qui était pour Haïti et tout à l'heure, il y a les qui ont posé conférence en question, ils répondent déjà. Qui ça international là, qui fait, qui était aidé Saint-Domingue. Il y a un bagage que l'histoire, par exemple, il n'y a pas révélé tout le bagage. L'Angleterre, t'es fait de sa ligne off. Il dit la vine et dès le goût contre la France, la pote soldat Bali. C'est mon petit bagabiti. L'Angleterre pense à te représenter à travers le monde. De sa ligne refusé, il dit catégoriquement, si c'est monde qui vient aider nous prendre l'indépendance, il n'y a pas de signification à travers le monde. Si c'est monde qui vient aider nous goûter, il n'y a pas de importance. De sa ligne dit non. Et malgré ça, l'Angleterre dit la bloqué les ports de Saint-Domingue, y compris la Hollande aussi a bloqué les ports de Saint-Domingue parce que tu as un frère qui a dit tout part et pour la métropole française avec Jean-Baptiste Colbert qui est venu avec le Code Noir de 1685. Et bien, il a empêché Saint-Domingue de faire commerce avec l'autre pays. La Hollande voulait entrer dans le commerce avec nous. Il n'a pas voulu. C'était ambassade de Bonnefelle. De ce fait, l'Angleterre et la France ont aidé Haïti de part et d'autre le jour de la bataille de Vertière. Merci. Nous n'avons pas d'inflation, mais nous allons aller au-delà de ça. Non seulement il faut l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, mais ça c'est compétence. Mais je tiens là, dans le 21e siècle, ce n'est pas compétence professionnelle pour nous lier seulement, pour utile. Pour contribuer au changement de son pays. Compétence de vie aussi importante que compétence professionnelle. Ou pas une compétence professionnelle ou échouer sous pas une compétence de vie. Quand vous son monde qui vous entendez, savoir écouter son compétence de vie. Quand vous capable de prendre décision, capacité ou bien pour prendre décision, forer mes monde. Faut prêt pour aider les gens. Faut ou cultiver sa empathie. Mettons en place notre monde.
partager souffrance l'autre monde. Je pense que c'est une des choses que nous manquons aujourd'hui en Haïti. En 2024, pas près de 30 ans avant, nous avons gagné autant de compétences dans le pays. Quantité de docteurs que nous avons dans différentes branches, dans différents domaines. Quantité de monde qui ont des masters, qui ont des licences dans les plus grandes universités du monde qui ont été formés. Et malgré tout, ils n'ont pas capté corps, ils n'ont pas capté pour le pays. Ça veut dire que les compétences professionnelles là, oui, nécessaire, mais pas suffisant pour utiliser les compétences de vie. Ça veut dire que les gens qui ont des têtes, ils n'ont pas de cœur. Nous avons besoin d'Haïtiens aujourd'hui là, qui ont des têtes, mais qui ont des cœurs. Nous n'avons pas arrêté le pays. Alors, c'est ça, nous avons un complément de réponse à la question et que faire aujourd'hui pour changer le pays. Ma réponse à une deuxième question. C'est sur les jeunes. Bon, c'est un concept qui est relatif. Le professeur Hachin souligne là pour nous. C'est emploi pour créer pour jeunes, c'est conditions pour créer pour jeunes et former des jeunes. Il y a des secteurs, c'est progressivement rentrer là-dedans. Où les jeunes ne sont pas capables, il y a des secteurs politiques. Il n'y a pas qu'à rentrer la donne. Et l'on dit jeune, vous, il est relatif. Ça dépend de qui secteur vous voyez. Si je joue au football, mais si Cristiano Ronaldo, je dis là, il y a grand monde. C'est grand monde. Mais dans le secteur qui est déterminé, mais dans le football professionnel. Dans le football professionnel, à 30 ans, c'est grand monde. Si c'est mannequin, ou c'est mannequin, parce que 25 ans, hein, 25, 26 ans, comment c'est grand monde? Elle dit question, je n'en ai pas relatif, mais en politique, sous président d'Haïti à 50 ans, vous êtes jeune président, en politique. Vous êtes jeune président sous président à 50 ans. 40, 45, 50 ans pour jeune, en politique, j'ai dit. Ça dit que si c'est basket, je vais jouer, si je vais jouer basket, 40 ans, hein, 40 pas problème, hein, il y a un basketteur là, hein, 40, 42 ans, moi, j'ai frappé dans le basket. Ça dépend de qui secteur où il y a l'employé concept des jeunes qui ont la TIF. Machin, tu prends la dernière question. Héritage pour Haïti, vertier héritage pour Haïti et pour le monde. Je pense que les mêmes réponses qui dégagent déjà là sur la question ça. Alors, vous avez ajouté à question numéro 2 concernant les jeunes. Alors non, question première question sur l'homme qui soit à la place. Oui, c'est vrai. Mais il faut derrière l'homme qui soit à la place qu'il faut. Plusieurs combats. En nous guerre, on a vu plusieurs batailles. Pour nous faire une défaut dans ce temps, ce n'est pas seulement bataille vertière que nous faisons. Nous faisons bataille de la ravine à couleur. Nous faisons la bataille de la crête à Pierrot. La bataille vertière, là, c'était la dernière bataille. Et en deux batailles, il y a plusieurs combats. Nous ne pouvons pas dire qu'on fait l'autre bataille aujourd'hui, là, mais il dit guerre. Il n'y a pas une bataille, guerre. Qu'on fait l'autre guerre. Ce n'est pas la guerre contre l'esclavage, ce n'est pas la guerre contre la colonisation. C'est guerre contre des défis contemporains, des nouveaux défis qui posaient à nous aujourd'hui. On a félicité Héros vertière. Héros qui est un héros, héros tout bien dépendant de ce temps. Parce que ils ont résolu trois problèmes complexes. Josiane, là, nous avons des problèmes qui sont simples. Problèmes simples. Si des volontés politiques, des problèmes qui vont résoudre dans 6 mois, des problèmes qui vont résoudre dans 1 an, des problèmes qui vont résoudre dans 5 ans, et tout problème paysant qui a sous route résoudre net dans 10 ans. Alors que Esclavio fait 288 ans dans l'esclavage. Yovini Saint-Domingue en 1503, sous gouvernement espagnol Nicolas Obando, Yovini dernier système en 1803. 1503, ça fait 288 années que l'on a déraciné l'esclavage, déraciné la colonisation, déraciné le racisme. Aujourd'hui, là, nous-mêmes, Haïtiens, nous avons un problème de logement, nous avons un problème d'éducation, nous avons un problème
de nutrition. Le problème nous est là, n'est pas plus complexe, pas vrai? Plus complexe que l'esclavage. Rivé à une désesclavisation, c'est pas mal qui est facile. On esclave pas que les diplômes nous gagnent. Ils résout le problème, ils ne pas quitter le problème ça, pour les générations futures. Nous-mêmes, qui ça l'a fait pour que le problème la confronté aujourd'hui, là, nous ne pas quitter pour les générations futures. Je pense que ce n'est pas une bataille qui nous fait. Malheureusement, c'est une guerre qui vous fait contre l'analphabétisme, une guerre contre les inégalités sociales, qui font rien dans le pays, pour les petits groupes qui monopolisent les ressources paysans, côté que massif, même la trouver dans la misère. Ce n'est pas une bataille, c'est une guerre qu'il faut mener contre les inégalités, une bataille pour la formation des jeunes, une bataille pour l'intégration progressive des jeunes dans les affaires. Voilà, voici les éléments qu'il faut sachez. Avec Wall Alliés Internationaux aujourd'hui. La bataille du 18 novembre, et malheureusement, vous avez souligné ça, l'Angleterre a un coup de main très important. Vous avez parlé de le Cap qui sont villes tiers et qui étaient pour dispositif de défense. Vous avez une flotte de guerre anglaise qui était barrée pour au Cap là. Qui fait que Rochambeau, avec Troupillon, pas qu'à même évacuer par la mer. Vous dites, ouais, tout à l'heure, là, on a parlé de qui j'en ai fallu organiser les poules et pénétrer, craser le système défensif Rochambeau. Ok? Maintenant, comme ville la son ville côtière, éventuellement, Rochambeau s'est qu'à décider lui faire une retraite par mer, lui replier, ou bien encore lui recevoir des renforts par la mer. Bagay ça pas possible parce que Anglais ont été bloqué pour au Cap. Donc, comme Jean-Pierre l'a dit, et Rochambeau est dans une situation côté la Prépale 112. Et donc, et l'Angleterre débarque beaucoup de mais pour qui ça l'Angleterre ou des vos flottes anglaises qui est bloqué pour là? Et parce que tout simplement, dans l'époque, bataille vertière là, l'Angleterre est opposée avec la France, donc l'Italie est en guerre avec la France, donc la France est en face de l'armée indigène, avec ça le fait, et lui aider l'armée indigène à battre la France. C'est pas parce que le dérémé nous, c'est parce que l'Italie était nous, était l'Angleterre, que la France perdue ses domaines, parce que ces domaines, j'ai été appris dans l'école, c'est colonies qui plus riches qui existaient. D'accord? Et que c'est la France avec ses domaines, la France est gagnée avec ses domaines par rapport avec l'autre pays, l'autre métropole et européenne, colonies qui plus riches qui gagnent en Amérique. Donc, faire la France perdue ses domaines, c'est balle en cours, c'est tel fait, ils ont gros paix. C'est pas parce que l'Angleterre était révélée. Je dis à qui ça, allié international, a fait, nous avons constaté qu'ils n'ont pas toujours fait de bagailles qui sont bon pour le pays. Eh bien, gros bagaille qui sait, c'est que, ou pas capable de mettre quoi qui veut quoi. Pourquoi c'est le général de Gaulle qui dit-il, les pays n'ont que des intérêts, les pays n'ont pas d'amis. Cette histoire de pays amis, ça c'est pour la presse, ça c'est pour la galerie, j'ai osé dire en français. Pays, c'est intérêt que vous avez. Et dans le rapport avec l'autre pays, c'est intérêt à chercher une France. Vous pouvez voir, par exemple, mon pays, Liba Haïti, on dit 100 millions de dollars pour le développer café, et puis l'autre des nouvelles dans la radio, on dit que le pays a arrivé à Haïti. Regardez le bal 100 millions de dollars, faire un don de 100 millions de dollars pour produire café. Mais l'analyse est là à fond, c'est que café, ça, pays qui vaut 100 millions de dollars, la partie de l'amour. Je vais consommer café, ça.
Le AP, il y a des techniciens, il y a des spécialistes, il y a des experts. Cap design tracteur, cap design machine, cap design avion, cap concevoir ordinateur. Ah ben, là on a vu où c'est bon petit café ça comme moi. Mais il n'y a pas pourquoi pour faire une industrie, pour produire laptop, pour produire machine, pour produire tracteur, pour fabriquer tracteur. Parce que c'est la masse comme là. Il y a pourquoi pour produire café, pour faire monter le café. Mais vous ne pouvez jamais. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, pas maintenant c'est tout que, comment dire ça, pays, quand c'est le tabou, il y a un bail de générosité, de charité. Non, c'est une question d'intérêt. D'accord? Et puis, bon, l'autre question, comment jeunes ont contribué au développement d'Haïti? Bon. Bon élément de réponse, c'est d'abord la formation. Et puisque plus yon jeune formé, et plus li capoté pour pays, pour famille et pour tête li. Et ou ka dit que bon, oui, les jeunes sont formés, li ka gen emploi, et, oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont formés, même leur quitter le pays. Là, le travail à l'étranger, là, les salaires à l'étranger. Il y a fait plus comme pour le voyer par les familles, les amis qui étaient dans le pays. Donc, formation sont un élément clé que lui. Et deuxième élément de réponse, c'est, ma retourne sous le lien, on l'a dit déjà, c'est la conscience. C'est-à-dire, il y a un moyen pour contribuer à développement du pays, pour capable porter contribution dans sac bon pour pays. Par exemple, moi j'ai un collègue professeur qui monsieur fait toute études secondaires lycée Toussaint. Monsieur ça va apprendre que il y a un camarade de promotion qui fait toute secondaire dans lycée à même Javel qui partit aux États-Unis. Il travaille aux États-Unis, monsieur je ne vois pas aux États-Unis. Monsieur rentre en l'heure, monsieur fait ici à cadeau, il y a une quantité d'ordinateur pour son salle informatique. Voilà. Bon. Maintenant, vous avez dit que élève ça a quitté pour formation dans l'institution. Bon. Monsieur a vécu aux États-Unis, monsieur qui genre et qui se voit l'ordinateur. À jouer dans la formation pour les étudiants. Vous avez dit, il y a compétition. Maintenant, vous avez joué pour responsable de l'école là, gérer les questions et ordinateur ça, et les vieux qui ont utilisé ça, l'ordinateur. Et puis, l'autre citoyen dans le pays qui vous connaît que c'est de bas qui est destiné au public, ce n'est pas pour un monde lié. Malheureusement, il a pillé lycée Toussaint. Mais élève ça qui fait toute seconde dans lycée Toussaint, qui partit à l'États-Unis et qui fait lycée à Cadon, quantité ordinaire. Vous avez dit son élève qui est conscient du rôle de l'État dans le développement du pays. Merci beaucoup. Les gens dans le pays n'ont pas décidé d'aller, je dirais, vers les sommets. D'accord? Ça fait une. Et maintenant, qui est le grand héritage vertière qui était pour Haïti et pour le monde? Vertière, c'est un. Il crée qui ça? Il permet de nous prendre l'indépendance. Et il dit que, avec la proclamation d'indépendance, Haïti vient tourner un pays phare. Son pays que tout l'autre pays, tout l'autre peuple qui était dans la colonisation, qui était dans l'esclavage, qui n'a pas gardé. Ça veut dire que dans l'histoire, nous, c'est peut-être la meilleure phase, le meilleur grand moment que nous connaissons. Je dis à Haïti, nous avons une mauvaise réputation dans le monde. Nous avons une réputation au pays misère,
nous avons une réputation au pays et choléra, et il y a quelques années déjà des pays sida. Donc, nous avons une mauvaise réputation. Et parler avec n'importe qui haïtien qui quitte le pays, qui est allé à l'étranger, c'est pour après que les premiers gens qui ont fait paraître, ils ont voir comme un monde qui saute dans la misère. Même haïtien pareil, lorsqu'ils aux États-Unis, vous comprenez qui est le premier qui a fait avant, ils ont venu à manger dans un restaurant chinois. Même là, et des fois, il y a des gens qui ont vexé de ça, il y a des gens qui sont à Haïti, qui n'ont pas de problème à manger, puis là où ils viennent aux États-Unis, ils prennent et ils mènent à manger dans un restaurant chinois. C'est comme dans des six grands groupes, neuf ont vide, et puis ou pas aux États-Unis, ils mènent à plein neuf ou ils mènent à manger. C'est une perception comme ça, ils ont gagné de nous. Okay? Maintenant, c'est là où ils viennent trouver que ou bien capacité, bien de bagarre ou café, c'est les sons pour inspirer respect. Maintenant, renommez ça, nous pas toujours gagner. Début 19e siècle, le programme indépendance, nous, Haïti, c'était une référence littéraire pour tout peuple en Amérique latine qui était dans la colonisation, qui était dans l'esclavage. 19e et 20e siècle, jusque avec les Vietnamiens qui après les luttes de libération, nous fait Haïti théorique. Même là, c'est un pays qui est juste en Asie. Donc, vous pensez que c'est plus beau héritage que les députés, lui, c'est renommé pays. Après Vietnam, vous croyez que nous pourrions réaliser un bagage qui fait aussi grand. Pour le monde, avec ça vous voulez dire ça, ça vous voulez que nous, pas que petit peuple, pas que petit pays, pas que race intérieure, ça va? Moi, ça a eu qui t'a combattu des siens, j'ai un ministre de la Boucabella, puis fort de soldats, ça a eu, c'était pied à terre, c'est pas bien uniforme, ça va? Et même si vous arrivez à battre l'armée au champion. D'accord? Donc, et ça, vous trouvez que, et vous regardez dans ce sens-là, et vous savez que, il y a un discours qui voulait faire passer certains peuples, certains races du monde comme inférieurs. Eh bien, Bagaïta a montré que c'est pas. Dès que le peuple Sahou, il prend, il décide, avec le café de bagages extraordinaire. Merci beaucoup.